Karine Le Marchand, dans TPMP, elle révèle que Joystar prend soin d'elle. Les photos dévoilées il y a quelques jours par Close les ont confondues. Pour son ami Cyril Hanouna, la jolie Karine Le Marchand a accepté d'en dire un peu sur le couple qu'elle forme avec le rappeur Joystar. Au lendemain de la parution des photos de Karine Le Marchand et Joystar en couverture de Closé, Cyril Hanouna a voulu en savoir un peu plus sur cette love story qui a surpris tout le monde. Ce 6 février, Baba a reçu l'animatrice de L'Amour est dans le Pré. Ma vie privée à ma vie privée. Elle s'est d'abord réconciliée avec Mathieu Delormeau, a également parlé de son émission, Une ambition intime avec Franck Dubosc, et a dû répondre aux questions de son ami Cyril Hanouna. Il lui a demandé « Tu fais ce que tu veux, juste tu me préviens en amont ». En face, l'ex de Lilian Thuram a estimé « Ma vie privée à ma vie privée ». Sans vraiment confirmer, la jolie star du PAF a tout de même expliqué que quelle que soit la personne avec laquelle elle pourrait être, elle prendrait soin d'elle et elle serait gentille. Pour répondre aux mauvaises langues, toujours prête à critiquer son rappeur de petite amie, elle a déploré, si on s'en tient aux réputations. Karine Le Marchand a prévenu, il faut se méfier, on est dans un monde de communication. Il ne faut jamais s'arrêter à ce que disent les médias. Rompre célibat. Quand le patron de TPMP lui a demandé si elle était heureuse, Karine Le Marchand a confirmé, regardez-moi. Et d'ajouter, d'une manière générale je suis une fille heureuse. Et mieux vaut être seule que mal accompagnée. Si je fais le choix de rompre mon célibat, la personne avec laquelle je pourrais être serait forcément formidable, donc soyez rassurée Karine Le Marchand, dans TPMP, elle révèle que Joystar prend soin d'elle. Les photos dévoilées il y a quelques jours par Close les ont confondues. Pour son ami Cyril Hanouna, la jolie Karine Le Marchand a accepté d'en dire un peu sur le couple qu'elle forme avec le rappeur Joystar. Au lendemain de la parution des photos de Karine Le Marchand et Joystar en couverture de Closé, Cyril Hanouna a voulu en savoir un peu plus sur cette love story qui a surpris tout le monde. Ce 6 février, Baba a reçu l'animatrice de L'Amour est dans le Pré. Ma vie privée à ma vie privée. Elle s'est d'abord réconciliée avec Mathieu Delormeau, a également parlé de son émission, Une ambition intime avec Franck Dubosc, et a dû répondre aux questions de son ami Cyril Hanouna. Il lui a demandé, tu fais ce que tu veux, juste tu me préviens en amont. En face, l'ex de Lilian Thuram a estimé, ma vie privée à ma vie privée. Sans vraiment confirmer, la jolie star du PAF a tout de même expliqué que quelle que soit la personne avec laquelle elle pourrait être, elle prendrait soin d'elle et elle serait gentille. Pour répondre aux mauvaises langues, toujours prête à critiquer son rappeur de petite amie, elle a déploré, si on s'en tient aux réputations. Karine Le Marchand a prévenu, il faut se méfier, on est dans un monde de communication. Il ne faut jamais s'arrêter à ce que disent les médias. Rompre mon célibat. Quand le patron de TPMP lui a demandé si elle était heureuse, Karine Le Marchand a confirmé, regardez-moi. Et d'ajouter, d'une manière générale je suis une fille heureuse. Et mieux vaut être seule que mal accompagnée. Si je fais le choix de rompre mon célibat, la personne avec laquelle je pourrais être serait forcément formidable, donc soyez rassurés.